Bonjour à tous. Hello, buongiorno, guten tag. Bonjour tout le monde, hello everybody. Eh bien, j'ai changé un petit peu mon programme. Je pensais descendre sur la Vendée. Hein. Et en fait, non, je ne l'ai pas fait. J'étais sur les bords de Loire et je me suis rappelé que j'avais pas vu tous les châteaux de la Loire. Et puis, j'en avais pas vu une bonne partie. Donc, j'ai décidé de remonter la Loire, tout simplement. Alors là, actuellement, je me trouve à Loret d'Anjou, ça s'appelle. Loret d'Anjou, comme dit son nom, hein, c'est la limite entre la Loire Atlantique et je crois que c'est de Maine-et-Loire, il me semble. Enfin bref, voilà quoi. Et l'endroit est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc là, comme vous pouvez voir derrière, hop, voilà, mon gros, il est ici. On est en contrebas de la route, qui est juste au-dessus. Ici, il y a une auberge. Là-bas, il y a un embarcadère qui fonctionne que l'été, je suppose. Je suis là depuis une journée, 24 heures. Là, c'est les premières voitures que je vois. Hein. Il y a des randonneurs qui sont venus tout à l'heure. Ils ne sont pas encore tous repartis. Donc voilà. Mais en temps normal, il n'y a plus personne, hein, y a que moi. Et alors, voilà. Le truc, c'est que c'est au bord de la Loire. Regardez-moi ça, un peu comme c'est beau. Bon, là, le temps est pas, met pas les choses en valeur, mais franchement, c'est magnifique. Et il y a un truc bizarre, voilà, c'est ça, une espèce de ruine. C'est un ancien moulin, d'après ce que j'ai compris, donc qui utilisait la force motrice de la Loire autour du 14e siècle, hein, c'est d'après ce que j'ai vu là sur la petite pancarte qui est indiquée. Et ça a servi aussi pour le péage. Pour les frais pour remonter le cours de la Loire. Voilà, donc je suis ici depuis hier, hein, franchement tranquille. Bon, là il y a un train de l'autre côté là-bas, mais on l'entend pas, hein, la nuit il n'y a que moi, quoi, tout simplement. Et puis voilà, bon allez, c'est parti, je vais vous faire voir 2-3 belles images. Non mais franchement, regardez un peu la vue que j'ai quand je me lève le matin. Pas mal, hein, quand même. Hein. En principe, c'est sans les voitures, hein, le matin. Vue sur la Loire. On risque pas de monter, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de risque. Franchement, je suis bien là. Donc, s'il y en a qui cherchent des points où se poser dans la région, mais je pense hors saison. Hein. Ici, donc là, tout ça, c'est des parkings réservés aux voitures. Et là où je suis, c'est des parkings réservés aux camping-cars. Donc, on est les bienvenus, mais il n'y a pas de service, rien du tout. Hein. Donc, ça, on va aller chercher ça au village qui est un petit peu plus haut. Mais franchement, j'y suis allé hier, c'est pas terrible, hein, leur truc de service. Mais enfin bon, ça peut toujours dépanner. Puis en ce moment, le problème, c'est que c'est l'hiver. Et il y a énormément de bornes d'eau qui sont fermées à cause du gel, enfin bon, je vais encore être obligé de me bouffer une camping-car park où qui eux ils sont toujours ouverts, enfin bon, pas grave, on va y aller. Ah, c'est sympa les bords de Loire, j'aime bien. Là je pense que je vais les remonter sur peut-être pas 1000 km mais pas loin, tranquille, prendre mon temps, un mois et demi s'il le faut, et se balader, hein, comme toujours. Je vais continuer mon éternelle promenade. Ah, regardez, le petit bateau. Ce fameux moulin. Et la Loire. Et toute sa beauté. Salut toi. Viens dire bonjour. Allez, viens. T'es belle toi, enfin t'es belle ou t'es beau, je sais pas. Je sais pas si c'est des mâles ou des femelles. Il y a des bœufs plutôt. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas de mamelles. Et il n'y a pas de. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense plutôt que c'est des bœufs. Des animaux castrés, ça. Ils sont gros. Hein. Ouh là là. Bonjour. Salut les copains. Salut les potes. Bonjour, bonjour. Ouais,
Bien que ça finira en steak tout ça. Bien triste pour eux. Bon, d'un autre côté, hein, on est des prédateurs, hein, on est fait pour ça, mais c'est dommage. Tu viens? Viens là. Allez, viens dire bonjour. Monsieur ou madame 45-59. Ah, c'est marqué dessus, hein, sur les oreilles. Bon. Ben, salut, allez copains. Je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Salut. Vous voyez, le seul problème de la vie comme ça, sur les routes, bon, on a la liberté, hein, la liberté absolue. Hein. On fait ce qu'on veut, on part quand on veut, on rentre quand on veut. C'est parfait, quoi. Mais il y a le pendant. Le pendant, ben, c'est un peu la solitude. Je reste des jours sans parler à un être humain. Quelquefois, je parle juste à ma chienne. Elle ne répond pas beaucoup. Hein. La pauvrette. Mais bon, elle comprend. C'est le principal. C'est pas tout simple. Hein. Voilà. J'aurais un jour trouvé quelqu'un pour faire un bout de route. Mais bon. Je m'en sens pas ni le courage ni l'envie en ce moment, pour l'instant. Hop, 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 hop. Quand elle se roule dans les... dans la gadoue, là. Ils s'en foutent, ces chiens. Ouais, c'est pas simple, tout ça. Ouais. On verra. Faut laisser le temps. Il fera son effet, et puis... puis on verra, la grâce de Dieu, comme on dit.